Aujourd'hui, on va mener la plus grande bataille navale du monde. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a aucun bateau pour se battre? Eh ben, on subit, on prend plein de dégâts par les adversaires. Ben, bienvenue dans ma base. Ah, casse-patou! Mais ce n'est pas un problème, car je suis extrêmement riche. Et je vais donc développer le meilleur bateau du monde qui ira dans cet emplacement. Alors, j'ai combien là? 200 $? Oh, ben, je peux peut-être m'acheter un canoë avec ça. Mais non, aujourd'hui, on va voir beaucoup plus grand et on va commencer à planifier notre bataille navale. Ah, non, peut-être que la priorité, ce serait d'avoir un bateau quand même avant de décider où est-ce qu'on va attaquer. En tout cas, une chose est sûre, je vais pouvoir commencer à débloquer mes premiers soldats, notamment le Rifleman, qui va pouvoir commencer à exploser les bateaux adverses. Qu'est-ce que c'est ça? Tiens, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un hamster qui essaie de rejoindre ma base? Vu la taille, c'est un capybara. Oh, ça y est! Il est en train de se battre! Oh! Tu vas l'exploser, mon pote! Ah ouais, je pense qu'il va falloir de meilleures troupes pour pouvoir battre ces bateaux-là qui sont vraiment trop énormes. Bon, bah, bienvenue dans ma base. Ouais, nous, en attendant, on va continuer à débloquer un maximum de choses. Defend from the enemy. Ok, ouais, pas de problème. On va rajouter des barils, une petite table comme ça pour travailler un petit peu. Et ça y est, j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent, c'est cool. On va pouvoir rajouter... Oh. Ah ok, c'est très très cher, une machine gun qui pourra exploser les ennemis. Où est le prochain bouton? Ah bah c'est celui-là. Bah j'ai pas assez. Ça y est, c'est déjà la dèche. Alors au niveau de ma base là-bas, ah oui c'est cassé, et tout là-haut là-bas, on a pas mal de choses intéressantes, on ira voir tout à l'heure. Et nous ça y est, on va avoir assez d'argent pour débloquer du coup le light machine gun. Ah, alors ça fonctionne bien ça ou pas? On va voir, en tout cas c'est un petit bateau qui a prévu de m'attaquer, on va voir si ça l'explose. Normalement oui, et le prochain bouton ça sera les pipelines, oh, ça y est je peux... Oh, c'est parti! Alors, est-ce qu'on va la voir? Oh! Ils sont deux! Ok, je croyais que c'était un seul. Oh, bam! Bien joué, les gars! Alors là, avec ça, on va se faire beaucoup d'argent. Donc, on débloque du tuyau. Ainsi qu'une petite tente pour l'infirmerie, une petite tour radio juste là. Et on va pouvoir ajouter une tour de garde juste là. Sauf que malheureusement, il va falloir payer... Ah, ça va, il est pas cher. 50 $ pour pouvoir mettre quelqu'un là-haut. Alors, t'es postiché, mon pote? Ouais. Tu vois grand chose? Tu veux peut-être qu'on ouvre un peu plus on enlève les vitres ou quelque chose? Et si on va pour ajouter un support qui sera un sniper déjà? Waouh, il va faire tellement mal. Alors il peut attaquer jusqu'où celui-là? Ah, attendez, on voit sa zone d'attaque. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, bon, ça pourrait tirer un peu plus loin pour un sniper quand même. En tout cas, une chose est sûre, il y a... Combien? Ils sont combien? 4 bateaux! Ok les amis, il va falloir s'en occuper. J'en veux pas un seul qui passe. Ok, et de 1. Et de 2 presque. Alors attendez, je vais voir si je peux améliorer ma première troupe. Oui, je peux. Hop, on l'upgrade. Oh, vite, 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 vite. Allez. C'est bon, on laisse à tous dessus. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de commencer à faire notre bateau? Je vous rappelle que c'est le but de ce jeu. Alors, on va pouvoir ajouter ça et ça. Ça et ça, c'est un petit peu de déco. Pour l'instant, pas grand chose de très intéressant. Et waouh, on est sur un jeu de bateau ou sur un jeu d'hélico? Je sais pas, mais je veux tout, moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, mince, c'est pour changer de jeu. Ok, je vais pas y aller. On l'a déjà fait en plus sur la chaîne. Là, on a des barils, un petit peu de lampadaire. Et à mon avis, les amis, on est en train de faire le tour pour pourquoi pas commencer le bateau. Qui va être d'ici peu, juste là. À mon avis, les boutons vont être là. Monsieur, allez attaquer l'autre là-bas, s'il vous plaît, pas moi. Bon, bah là, à mon avis, on va pas réussir à l'avoir. En attendant, je vais continuer à faire mes petites dépenses. Ah, ils ont commencé à attaquer l'avion directement. Oh, est-ce que ça va le faire ou pas? Oh, allez, 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 au moins l'avion, ça serait cool. Allez, 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 oui. Ils l'ont eu, bien joué. Spotlight checkpoint, ici on a un support tent, ok, qui va pouvoir avoir pas mal de petits matos. On continue à rajouter, il va y avoir des munitions. Et maintenant il faut arrêter les bêtises là, j'ai envie de commencer mon bateau moi maintenant. Hop, une petite alarme juste là, ça peut être très utile pour prévenir de l'envahisseur. Ah, ça y est, est-ce qu'on va pouvoir changer le bateau? Oh, on va commencer par une petite échelle comme ça. Et là ça va être incroyable, c'est parti pour le bateau. Wow, 7500. Ah ouais, oh, mais attendez, c'est... Ouais, d'accord, on va directement pouvoir accueillir les ennemis au tout début du bateau là-bas. Bon, par contre, il coûte très cher. Hein. Bon, en attendant, je vais m'occuper de petits lampadaires. Ouais, c'est vrai que j'ai pas assez d'argent pour le reste. Oh, je peux déjà avoir un hélicoptère qui est moins cher que le bateau. En tout cas, nous, évidemment, on va se prendre le foie de monnaie, les amis, parce que... Ouh là 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 là, mais c'est qu'il y a du monde, là. Ouais, le foie de monnaie va être intéressant. Allez, go. Ok, c'est parti pour débloquer la carcasse. Wow, c'est un peu plus qu'une carcasse, ça. C'est en train de se battre encore? Ah ouais, non, mais là, on se fait allumer, hein. En fait, j'aurais peut-être dû améliorer mes troupes, hein. Ça me permettrait peut-être de gagner plus d'argent. Surtout que là, il me reste 5500, il y a moyen d'améliorer, à mon avis. Celui-là. Oh, 8000! Ok, encore une paye et je pourrais. Allez, payez-moi, payez-moi! C'est parti. Toi, je te grade. Ah ouais, pas mal. Ah, alors là, t'as intérêt, vu le prix que tu m'as coûté, qu'il n'y ait aucun bateau qui passe, hein. On s'est même plus attaqué, de toute façon. Il y a un béconner qui est perdu là-bas. Oh, si, ça y est. On se fait attaquer, il y a moyen de faire quelque chose, je pense. Et lui, ça serait bien que je l'améliore. Mais j'ai pas le temps, mon pote. Il faut que je mette de l'armure. De l'armure, comment ça?
Qu'est-ce que c'est? Wow! Alors là, par contre, ça c'est sacrément puissant. Combien ça fait? Ça fait moins 40. Oh. Mais cette troupe n'ont même pas attaqué que en deux coups, mon canon les a amés à... Oh là, par contre celui-là, à mon avis, en deux coups, ça suffira pas. Hein? Attaque, vite, attaque l'avion, s'il te plaît. Hop là. Alors, il fait toujours moins 40 sur l'avion, parfait. Là, ça y est, mes troupes commencent à attaquer. Je sais pas si ça va être suffisant. Je pense que oui, quand même. Boum! C'est la chute. Alors, il y en a qu'un seul, là, on est d'accord, hein? Oui, il y en a qu'un seul. Ah, normalement, ça va le faire. Je pense que ça y est, là, on a commencé à rattraper un peu le coup. On commence à être bon. Et on va pouvoir ajouter... Oh, une armurerie. Je vais pouvoir avoir des armes. Attendez, je me fais attaquer par un ballon dirigeable en bois. Dites-moi que c'est comme un lama Fortnite, il y a plein de trucs à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi il est en bois, le ballon dirigeable? Ça y est, je l'ai eu. Y avait quoi dedans? Des bonbons? Ouais, bon, je suis pas sûr qu'il y avait grand-chose d'intéressant. Allez, go! On débloque l'intérieur. Toute la déco. Et peut-être, pourquoi pas, nos premières armes. J'aimerais bien avoir une arme, moi. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, des petites dents. Oui, 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 non. Ah ouais, je contrôle pas ces armes-là. Moi, je parlais juste d'un petit gun, c'est un truc pour me défendre. Donc, allez, on continue avec, ici. Ah bah, toujours des engins explosifs, hein. Waouh, avec... Oula, ça va? Ouais, ça a l'air d'aller. Toute explication de comment fonctionne le bombe nucléaire, les amis, avec l'uranium. Il y a 25 kilos d'uranium là-dedans. Ah ouais, ça doit faire boum, tout ça. Allez, go! On continue ici avec petit baril et la possibilité d'avoir... Waouh. De quoi se planquer dessous là, et pourquoi pas débloquer de nouvelles décos ou bien de nouvelles armes. Alors ici on va pouvoir rajouter des petits sacs de sable comme ça, une tente dans laquelle il y aura encore des explosifs, même si c'est pas le but principal. Je tire dedans, ça explose. Ici on va rajouter... Wow, tu tires dans le mur, mon pote. Oulalalala. Ouais, c'est pas normal. Par contre, c'est énorme là. Tout ce qu'il y a, Baconer, qu'est-ce qu'il fait sur les bateaux là? C'est Baconer en train de me raid ou quoi? Je sais pas. En tout cas, ils sont très nombreux. Allez, il faut l'éliminer. Allez, 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 plus vite que ça. Moi, en attendant, ce serait bien que j'améliore certaines choses. Attendez, on va retourner au tout début et je vais me téléporter pour aller plus vite. Hop, et on va directement améliorer. Pourquoi pas la machine gun. Allez, vite. Hop là, allez, allez, allez. Est-ce que ça sera utile? Allez, 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 détruis-le. Oh, aux portes de ma base. Allez, allez, encore. Parfait. Mais ça s'arrête pas. Aïe, 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 aïe. Ok. Il faut qu'on améliore notre sniper. Je pense que ça pourrait être pas mal utile. À combien il est? 8150. Ok, parfait. 8750. Alors, mon pote, tiens. Mais c'est pas un sniper, ça? Bon, peu importe. Est-ce qu'il tire plus loin, maintenant? Non, même pas. Ah ouais, par contre, il fait tellement mal. C'est lui qui fait moins 70. Waouh! J'ai complètement clair toute la vague. C'était une vague, en fait. Oh, trop, trop fort. Alors, attendez, on va aller voir le noob là-haut, là. Le chef cuistot, là. On l'améliore et on a donc... la meilleure évolution de ce petit gars de la tour. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Pas encore, peut-être tout à l'heure. Mais nous, il est temps d'améliorer le bateau en rajoutant des petites caisses comme ça, qui font pas une grosse différence, mais c'est important. Là, des petits barils. Oula, mais ils sont nombreux encore, là. Oh. Ah, mais ça va passer, hein. Vas-y. Bah, vous pouvez aller directement dans ma base. Arrêtez de tirer, laissez-les passer, hein. La bière est au fond, tout ce qu'il faut pour manger sur la droite. C'est pas de problème, hein. Je vous invite. C'est Red Kill qui invite. Machine gun. Là, 1500. Oh, j'aurais pu directement acheter l'amélioration. Ballon! Les amis, je vais pouvoir avoir mon premier ballon dirigeable, apparemment. 13 000 $, par contre. C'est tellement cher. Alors, hop, je l'ai. Ah oui. Oh! Waouh! Là, tu bouges pas. Il va rester là, apparemment. Je peux monter? Non, je peux pas monter. Je pense que je peux pas monter. Non, dommage. Allez, on rajoute une petite... attendez, je vais prendre directement la bazooka team. La team bazooka. Allez, payez-moi, s'il vous plaît. Payez-moi. Merci. Boum! Ah, allez, on continue la déco ici avec un petit sac de sable, des barils et... Oh, un commandant cuistot. Et ça y est, on va pouvoir donc mettre des choses à l'intérieur, j'imagine. Alors attendez, d'abord, il y a deux, trois petites décos ici à débloquer. Mais là, on a directement la possibilité d'avoir peut-être une salle de danse. Non, 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 non. Je sais que t'as envie de danser, Red Kill, mais là, on est plus sur quelque chose de plus explosif que la danse. Avec des petits casiers, des... C'est la caserne incroyable, on va pouvoir voir tous les lits, mais qu'est-ce que vous faites, les gars? On est en train de se faire attaquer! Comment ils peuvent être en pyjama en train de dormir? Ouais, ça dort pas vraiment, ça. En plus, ça dort pas! Ah, mec, il va falloir se réveiller. Vous avez tous les yeux ouverts? Oui, ils ont tous les yeux ouverts. Mais c'est incroyable, c'est... C'est quoi cette team de bras cassés? Aïe, je voulais tout faire ici. Ouais, le mec, il a pas tiré une seule fois depuis le début, qui laisse ses troupes au combat. C'est plus une bataille navale, c'est une bataille aérienne, ça. Il va me falloir plus de véhicules aériens, moi. Alors ici, on va avoir
La cantine, apparemment. Bon app, les gars. Hein. Ne regardez surtout pas par la fenêtre. Hein. Vous risqueriez d'être déçus. Hein. Allez, on va terminer cette petite pièce-là avec la porte de l'eau pour toutes mes troupes. Oh, ils auraient pu mettre un distributeur de boissons plutôt qu'un bidon comme ça. Là. Oh, 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 oh. Eh, à la guerre comme à la guerre, hein. On n'est pas dans les bureaux d'Apple, ici. Alors, comment ça se passe? Place, des petites tables supplémentaires et... Oh, un petit poster de propagande, les amis. Bon, au moins, si ça peut les motiver pendant qu'ils mangent. Oh là 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 là. C'est quoi cette attaque de dingue que je suis en train de subir, là? C'est pas vrai. En attendant, moi, je vais débloquer les caisses. Mais qu'est-ce que vous faites, les caisses? Sérieusement? Dépêchez-vous! Défendez-nous! Tapez! Ouais, non. Non, non, non. Peut-être... Peut-être ça, peut-être. Ouais, non. Ouais, je peux peut-être en prendre un et le lancer, mais... Ah, je suis pas sûr qu'il me prête vraiment d'attention. En tout cas, là... Ah, bah c'est la défaite, les amis. Hein. Je pense que cette vague-là, je vais pas réussir à y survivre, hein, pour l'instant. Mais attendez, les amis, vu que je vais pouvoir débloquer... Oh, la section du milieu avec sûrement de nouvelles armes. En tout cas, notre bateau est incroyable pour l'instant. Et ce n'est que le début. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une petite troupe d'infanterie, ici. On va mettre directement le bargainer. Waouh. Ah, c'est un peu tard, mec. Hein. Ils sont tous partis. Hein. Ils sont tous rentrés dans ma base. Oh, ici, on a la possibilité de mettre un anti-tank avec directement l'artillerie médium. Donc, qu'on pourra améliorer pour 17 500. Ça coûte très, très cher. Ici, on a des caisses. Très utile, c'est ça. Très, 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 très utile. Machine gun, ça, c'est utile. C'est ça qu'on veut. Il s'est mis où? Il s'est mis là-haut. Ah, et on va pouvoir s'attaquer d'ici peu à la dernière section du bateau. Et ici, on va mettre directement un bargainer. Map room. Ah, ça va être la dernière section. Mais attendez, d'abord, est-ce qu'on a la possibilité de débloquer de nouvelles choses ici? Oui, il manque des trucs là. Alors, ça se passe bien ou pas? Je vais aller améliorer toutes mes premières troupes avant de s'attaquer à la dernière partie du bateau. Parce que il faut absolument pouvoir contrôler les petites attaques. Là, ça va pas. Les vagues, là, franchement, on se fait allumer. Alors, est-ce que lui, il est amélioré à fond? Non. Donc, je t'améliore. Est-ce que eux, ils sont améliorés à fond? Oui, apparemment. On va aller rajouter une petite upgrade à celui-là de 17 500. Ça coûte tellement cher. Et là, je pense que toutes mes troupes au sol sont prêtes. Pour l'instant, personne ne passe. C'est parfait. Faut aller améliorer celle du bateau maintenant. Comme celle-ci-là qui est un canon light qui passe directement en médium avec double canon. Et on va directement le mettre en triple. Oh, oh, tire-moi dessus pour tester. Non, 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 non. Non, non. Sinon, ce... Ce test sera le dernier et ça serait dommage. En tout cas, une chose est sûre, les amis, je commence à être extrêmement puissant. Alors, hop, toi, je t'améliore. Hop, toi, je t'améliore pas, t'es trop cher. Alors, comment ça se passe, là? Pour l'instant, on contrôle bien. Je vais pouvoir améliorer celui-là à 15 000. Parfait, il commence à être vraiment puissant. Lui, à 17 500. On va attendre la prochaine paix, mais en tout cas, personne ne passe pour l'instant. C'est une très bonne nouvelle. Ils arrivent même pas à passer le milieu du bateau alors qu'il reste... toutes mes troupes là-bas. Ah, incroyable. Allez, toi, je t'améliore. Et ça y est, mon bateau est quasiment maxé. Il va me manquer. C'est de là, là, ce petit noob. Ah non, celui-là, il est déjà amélioré. Peut-être celui-là. 17 500. Ok, on va attendre un peu. Et ça y est, on s'est occupé de toute la vague. On est trop, 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 trop puissant. Hop là, 17 500. C'est fait. Voilà, voilà. On peut maintenant aller s'attaquer à la dernière section. D'abord, on va améliorer Snoob. 15 000, on va attendre les 15 000. Et après, on va aller aussi améliorer lui. C'est vrai. Ah non, lui, c'est déjà le max. Alors, comment ça se passe? Toi, je t'améliore et on va aller... Oula, si on y arrive, s'occuper, les amis, de la map room. Là, c'est là où on va pouvoir déterminer exactement où est-ce qu'on va attaquer. Enfin, pour l'instant, on fait que se défendre, hein, parce que... Je dois vous avouer que les ennemis sont plutôt coriaces. Alors, petit bateau, petit poster carrément du schéma du bateau. Très, très stylé comme ça. Et là, on va mettre la petite table de commandement. Petit tableau, plutôt la carte du monde. Ah, je vais attaquer absolument tout le monde. Ouais, on va peut-être se calmer. Hein. C'est peut-être pas une bonne idée. Oh, on peut remonter par là. Ok, on va pouvoir ajouter quelqu'un à 30 000 qui sera là-haut. Ok, ah non, c'est carrément le centre de contrôle. Hein. C'est pas des troupes. Ici, on va pouvoir faire un petit peu de déco. Donc, je vais faire ça et après, on s'occupera de l'échelle, de ce qu'il y a tout là-haut du centre de commandement. Là, on met des petits tuyaux, une petite porte, une petite échelle extérieure, des petits escaliers extérieurs. Là, on a une horloge. Ok. Très stylé. Généralement, l'horloge du chez ma mamie, ça. En tout cas, le prochain bouton, eh ben, c'est celui-là. Donc, on le débloque et on va pouvoir donc monter, voir ce qu'il y a. On a des stations. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, comment ça se passe niveau défense, là? Ah, il y a du monde, hein. Ah, il y a pas mal de monde. Disons que j'ai amélioré toutes mes troupes, donc normalement, ils sont pas censés passer. Mais peut-être que j'ai oublié quelqu'un. Non, je pense pas.
Allez, est-ce que ça va le faire? Ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. À mon avis, ça doit être une vraie vague, ça. Si j'arrive à la détruire, je gagnerai un petit peu d'argent, mais je suis pas sûr, hein. Allez, 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 allez. Ça va le faire ou pas? En vrai, ça va, hein. On a fait le taf, il y en avait beaucoup plus que ça, mais on n'y arrivera pas à tous les avoir, c'est sûr. En tout cas, moi, je vais pouvoir débloquer, du coup, les petites tables. Ingénieur. Ah ouais, là, ça bosse dur, là. Ouais. Oh, ça va, ça va. On est en train de gérer, les amis. Peut-être qu'on va gagner. Allez, il reste qu'un avion. Allez, allez, allez. Oh, oui. Non, il a réussi à passer. L'avion, c'est le seul qui est passé. Quel dommage. Oh là là, la vague était incroyable. Il y avait tellement de monde, on a failli y résister. Allez, ça y est, je débloque tout ce qui est ici. Ce sont surtout des écrans et le commandant qui est très stylé. Ça va, mec. Il est plutôt serein, le type. Hein. Il regarde en face alors que sur la gauche, bah... Ouais, disons qu'il y a peut-être des choses... d'une priorité un peu plus élevée que foncer dans une île. Allez, go! On rajoute un petit toit juste là, et... bah, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour descendre? Ah oui, c'est là. Qu'est-ce que c'est? Power lines? Power lines? Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, c'est... J'ai mis l'échelle, là? Je sais pas. Oh, petit tank! Yes! On va pouvoir directement mettre la meilleure artillerie juste là, qui tire dans le sol. Ça fait plaisir. C'est vachement utile. Là, on va pouvoir faire pareil, mettre le de tous les temps. Ici, on va rajouter un petit peu de déco pour terminer ce petit bateau incroyable. 5000 le canon. Alors là, vous n'allez pas me dire qu'il y a que... Ils vont passer, hein. Ah, ils sont quand même beaucoup, hein. Ah oui, et mon canon n'était pas prêt. Ah, dommage. Alors, le prochain bouton, il est apparemment au niveau de la section moyenne, enfin du milieu. Juste là. Ah, vous m'avez fait déplacer juste pour des petits sables, des petits sacs de sable. Ah, il y a peut-être moyen qu'on se défende, hein. Il reste plus grand monde. Regardez-moi ça, comment on se défend bien, là. Ok, ça va le faire, ça va le faire. Il reste plus qu'un seul avion. Ah, malheureusement, il n'y a qu'une troupe qui tape. Ah, oh, je suis en train de me faire raid par un autre joueur. Oh, vite, faut que je termine ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, j'avais oublié une horloge, apparemment. C'est... Hop là, la petite horloge qui va réveiller tout le monde. Réveillez-vous! Elle est où, l'horloge? Elle s'est mise où? L'horloge? Ah, ok, c'est pas la même que là-bas. Ah, ça y est, je vais pouvoir m'attaquer, du coup, à l'hélicoptère. C'est vrai, je l'avais oublié, celui-là. En tout cas, ouais. Va falloir faire plus que ça, hein, mon pote, hein, parce que c'est pas en m'envoyant un tout petit bateau comme ça que tu vas me battre. Donc oui, on va avoir la possibilité de débloquer l'hélicoptère. J'espère que je vais pouvoir le conduire. Je sais pas du tout. Yes, on a terminé le tycoon. Et on a surtout la possibilité de conduire cet engin. Pourquoi je peux pas? Non, c'est juste pour lancer des missiles. Ah, dommage. Bon, bah là, à mon avis, il va faire du sale. Alors, quel missile va lancer? Vas-y, le lancer. Oh, ah, il l'a lancé. Wow. Ah oui, raid terminé. Bah merci, c'est plutôt pratique ce truc. Bon, ça y est les amis, ma base navale est terminée. J'espère que ça vous a plu, c'est le cas. Gros pouce bleu, moi je vous dis à la prochaine. C'était Redkill et bye tout le monde.